Dans le dessous, cette énergie, s'il peut exploiter. Why? Pourquoi? Qui fait? Il faut répondre à une demande en électricité toujours plus importante. Tout en faisant face à l'épuisement des ressources fossiles qui représentent actuellement 80% de la production d'électricité à Maurice. Et à la lutte contre les changements climatiques. On doit trouver des nouvelles sources d'énergie. On doit se séparer de nos besoins. On doit économiser l'énergie. On doit apprendre. On doit agir. On doit arrêter. Solution. Il y a à Maurice 2900 heures d'ensoleillement par an. Notre planète reçoit du soleil l'équivalent de 6000 fois l'énergie que nous consommons. Il suffirait ainsi d'en capter ne serait-ce qu'un 10 000ème pour couvrir la majeure partie de nos besoins. Il y a deux façons d'utiliser l'énergie du soleil, le thermique et le photovoltaïque. Le thermique permet grâce à des tubes et des capteurs vitrés de capter l'énergie émise par le soleil pour la transformer en chaleur. Cette dernière chauffera l'eau qui sera par la suite utilisée. Grâce à la cellule photovoltaïque, l'énergie du soleil est convertie en électricité pour répondre aux besoins énergétiques d'une maison ou même d'un plus grand bâtiment. Le surplus énergétique peut être revendu au CEB. Néanmoins, le panneau solaire a besoin pour rembourser l'énergie nécessaire à sa fabrication de 3 longues années, ce qui peut être désavantageux à court terme et avantageux à long terme avec une durée de plus de 25 ans. Contrairement à l'éolien qui a une durée de vie de 20 ans, le vent, source d'énergie inépuisable, fait tourner les pales d'un aérogénérateur, ce qui produit de l'électricité. À Maurice, l'énergie éolienne représente déjà 3% de la production d'électricité. D'autres projets de fermes éoliennes à Bigara et à Britannia sont en cours, ce qui serait un grand pas dans l'avancée du renouvelable à Maurice. Cependant, étant une île tropicale, Maurice est vulnérable aux cyclones et les aérogénérateurs ne supporteraient pas de tels vents. Malgré tout, l'éolien reste l'énergie renouvelable qui se développe le plus au monde, et l'île Maurice pourrait mieux y contribuer dans les années à venir. L'énergie hydraulique est la première énergie renouvelable, représentant 20% de l'électricité mondiale. À Maurice, les réservoirs de Marowakwa et de Midlands Dam possèdent une grande capacité d'énergie. Pour cela, la construction d'un barrage est essentielle. En effet, c'est l'énorme pression qu'elle exerce sur le barrage qui produit de l'énergie. Ainsi, l'hydraulique permettrait une production d'électricité continue et infinie. Néanmoins, contrairement au solaire ou à l'éolien, l'hydraulique peut porter atteinte à la faune ou à la flore sous-marine, ce qui serait un désastre pour l'environnement fabuleux de deux réservoirs, Midlands Dam et Marowakwa. Enfin, l'énergie renouvelable la plus exploitable à Maurice, la biomasse. Ce mot désigne toutes les formes d'énergie tirées du vivant comme le bois ou la bagasse, ce à quoi nous nous intéresserons. La bagasse représentant d'ores et déjà 20% de la production d'électricité à Maurice. Cependant, l'émission de CO2 est importante. Le critère écologique n'est donc pas totalement respecté. L'île Maurice a un potentiel énorme en énergie renouvelable qui commence à peine à être exploité, notamment avec le projet Maurice Île Durable. La question est, ce projet restera-t-il un projet ?